tombe vers le mur. Pour ce qui est du phoque, c'est le premier spécimen traité au chêne, c'était 1987. Donc c'était le début du retour de la présence des phoques sur nos côtes de la Manche. Et donc année après année, ces spécimens se sont colonisés. Donc en l'occurrence, la première colonie importante, c'était la baie de Somme. On voit qu'année après année, donc, les phoques ont développé leur colonie. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a plus de naissances et que l'attrait effectivement d'aller les voir et de les déranger augmente, puisque en fait la probabilité augmente, et c'est ce qui fait que malheureusement chez nous on augmente aussi nos spécimens à l'accueil. Allez-y. Sur les premiers mois, les phoques vont quand même être largement autonomes. Là, leur première mission, ça va être de trouver à manger, parce qu'il faut bien conserver l'embonpoint et en prendre encore un peu, parce que mine de rien, ils restent quand même très jeunes. Donc là, l'idée, ça va être de d'abord trouver du poisson, et ensuite, effectivement, vont aller à la recherche d'une colonie où ils vont pouvoir s'installer sur un plus long terme, et on l'espère par la suite faire complètement partie de la colonie, se reproduire avec sa propre espèce, ce genre de choses. Donc là, on vient de voir le relâcher. Les deux sont partis pas à la même vitesse. Il y en a un qui était d'ailleurs un peu plus stressé que l'autre, parce qu'il faut savoir qu'ils ont été récupérés, donc comme je disais, tout jeunes. Ils ont pas connu la mer, parce qu'ils naissent sur le banc de sable. Et là, ils ont connu en fait la piscine au chêne, où il n'y a pas de vagues. Là, ils arrivent ici. Aujourd'hui, en plus, on avait pas mal de houle, de vagues. Et du coup, ils sont chahutés. Donc ils ont dû, ça pour eux c'est un nouvel élément, c'est encore un stress supplémentaire. Et maintenant la seule chose que l'on peut espérer, c'est qu'ils retrouvent effectivement une colonie. L'avantage, c'est qu'il y a pas mal de phoques qui sont dans le coin, et on a quand même bon espoir. En discutant avec les personnes du chêne, on a appris qu'il y a beaucoup de phoques qui retrouvaient des colonies et qui après même se reproduisaient, et le cycle continue, ils aident à augmenter la colonie de phoques.